Bonjour et bienvenue dans cette capsule sur organisation et innovation. Comment s'organiser pour innover ? L'organisation, c'est ce qui permet de diviser et de coordonner l'activité. L'innovation a toujours eu besoin d'organisation pour se réaliser. Par exemple, historiquement, la réussite d'un inventeur comme Thomas Edison est indissociable de ses choix d'organisation. Edison n'est pas un innovateur isolé, mais un entrepreneur avisé qui a répété sur une longue période des innovations variées en organisant rigoureusement la relation entre les idées, les financements, les marchés, les technologies, la science. Il a construit, au tournant du XXe siècle, une véritable fabrique d'innovation aux États-Unis, réunissant des milliers de personnes. Aujourd'hui, l'organisation d'une entreprise comme Google est souvent citée en exemple pour son organisation d'innovation qui laisse du temps libre à ses salariés afin de stimuler leur créativité. Bonjour Elmar Mock, pouvez-vous vous présenter et nous présenter brièvement l'entreprise Créolic ? Merci Gilles. Donc il y a 35 ans, j'ai eu le bonheur d'être un des deux inventeurs de la Swatch. Je vivais dans une société qui était totalement en situation de déperdition, d'anarchie interne, et j'avais une liberté extraordinaire. Donc j'ai eu le bonheur de pouvoir faire cette proposition et de développer ce produit. Quelques années plus tard, je me suis senti mal à l'aise, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que la structure, l'organisation devenait trop forte, et j'ai eu le besoin de quitter la société. J'ai créé donc la société Créolic, qui allait partir d'une seule personne, aujourd'hui à 30 employés, collaborateurs, partenaires, qui a comme principal objectif de répéter l'innovation. Comment peut-on devenir un sériel innovateur ? Et quel est le processus de l'innovation ? Et comment augmenter la probabilité de succès ? Parce que finalement, nos clients, ce qu'ils veulent, c'est de la rapidité et de l'efficacité dans la créativité, ce qui paraît apparemment des contradictions. Elmar Mock, pouvez-vous nous donner quelques précisions, en mobilisant peut-être quelques exemples, des entreprises avec lesquels Créolic travaille et des types de prestations d'innovation que Créolic réalise pour ses clients. Donc on est essentiellement orienté sur des clients de type internationaux. On collabore avec eux pour la création de la prochaine génération de business. Et l'art, c'est d'être actif dans des domaines extrêmement variés. Donc on travaille dans l'automobile, on travaille dans le pharma, on travaille dans la chimie, on travaille dans l'alimentaire, on travaille dans l'emballage, dans l'horlogerie, etc. Et c'est cette particularité qui nous différencie, dans le sens où on acquiert des connaissances au travers de ces activités qu'on va redistribuer dans nos projets. Et la grosse difficulté qu'on a dans tous les cas, c'est d'être capable rapidement d'apporter des propositions de solutions qui vont plus loin que la projection du passé. Parce que pour beaucoup de sociétés, leur avenir est toujours la projection de ce qu'ils viennent de faire. Alors qu'après-demain est peut-être très différent d'avant-hier. Et c'est là que se trouve le grand challenge, amener la société à se remettre en question, à entrer dans une phase de métamorphose, voire dans une phase de renaissance. Vous nous avez dit en vous présentant qu'en 1986, vous aviez quitté l'entreprise qui allait devenir le groupe Swatch. C'est un paradoxe puisque finalement, vous avez abandonné un projet qui allait devenir un succès mondial. Pourquoi avoir investi dans une nouvelle organisation alors que le succès vous tendait les bras à cette époque ? Déjà, à la création d'un projet, d'une idée, on ne sait pas le succès qu'elle aura. Et jamais j'ai imaginé à la création de Swatch qu'elle aurait un tel succès. Ensuite, il y avait un état d'esprit chaotique, un état d'esprit créatif que j'adorais. Et le succès de la Swatch a amené une structure que je finissais par ne plus supporter. Donc en quittant le groupe Swatch, je pensais retrouver une autre liberté. Ce que j'ai constaté rapidement,
c'est qu'il fallait changer de modèle. Alors je me suis créé ma propre métaphore pour expliquer mon problème, parce que je suis un ingénieur. Donc les ingénieurs aiment simplifier les choses. Donc j'ai repris, je me suis posé la question, est-ce que la créativité serait exceptionnelle ? Ma conclusion est simple, c'est que l'homme est terriblement créatif et c'est dans son âme profonde. Donc l'homme est créatif, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas tous, dans ce cas, dans l'innovation ? Il semble que l'évolution de son éducation, de sa profession, fait qu'on se limite. Et j'ai fait un modèle simplifié pour représenter ces états. Donc comme l'eau a différents états d'agrégation, l'être humain a différents états mentaux. L'état mental que je décris comme gazeux représente à la fois le chaos, le rêve, le fantasme, l'explosion, le risque, l'illusion. Mais c'est dans cet état-là qu'on a la plus grande probabilité d'imaginer un demain différent du passé. Le deuxième état, qui est l'état mental liquide, qu'on a tous connu quand on allait à l'école, il a fallu apprendre à lire, à écrire, à se structurer, c'est l'état de recherche-développement. Les mots-clés qui sont là-dedans, c'est l'évolution, c'est l'éducation, c'est des mots-clés douloureux comme les larmes, la sueur, la transpiration. Mais le liquide peut être de la fusion, une vieille idée qu'on fond pour en faire une nouvelle, peut être de la condensation, une idée gazeuse qu'on réalise. Et c'est l'état de recherche-développement. Le troisième état, qui est l'état cristallin, c'est l'état de notre société. C'est l'université, c'est la formation, c'est la production, c'est la politique, c'est la logique, la systématique, la clarté, l'efficacité, c'est les systèmes de normalisation, ISO, tel et tel. Et c'est dans cet état-là que se développe le succès. Le drame du créatif, c'est qu'il est par nature plutôt dans un état mental chaotique. Et le drame de l'homme à succès, c'est qu'il est dans un état mental de type cristallin. Et ces deux états mentaux ne se comprennent pas. C'est-à-dire que le cristal, quand il voit le gazeux, il dit « mais c'est un état chaotique, il n'a pas de planification, il ne sait pas où il va, il m'amène à ma perte, j'ai pas de contrôle sur ce qu'il fait. » Alors que le gazeux, quand il regarde un cristallin, il dit « c'est un casque à pointe, il n'est que structuré, il a toujours le process dans la bouche, il imagine que demain est toujours la continuité de hier, cet homme va droit dans le mur, il amène à la perte de la société. » Donc apparemment, ces deux états sont en opposition, alors qu'en réalité, ils sont complémentaires. Et la difficulté, c'est comment maîtriser ces différentes phases et comment arriver à créer une structure qui se concentre plus sur la créativité et non pas sur le cristal. Et comment les amener à collaborer et ne pas être en opposition. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Créaholic, qui a comme objectif de servir ce monde qui finalement est d'ordre cristallin. Elmar Mock, est-ce que vous pouvez revenir d'une part sur l'organisation multidisciplinaire des équipes qui constituent Créaholic et d'autre part sur un principe de gouvernance de l'entreprise assez étonnant que vous appelez le kolkhoz capitaliste ? Déjà, Créaholic, c'est 30 ans d'expérience, ça a été une croissance très organique. Donc on a cherché à trouver les spécialistes qui servaient le mieux notre cause et à chercher non pas à copier ceux qu'on avait déjà, mais d'en trouver de nouveaux. Donc on s'est développé au début plutôt sur le plan technologique, mais très rapidement on a développé la partie légale, donc tout ce qui est propriété intellectuelle. On a développé toute la partie design, tout ce qui est esthétique, concept. Et ensuite la partie business, c'est-à-dire comment est-ce qu'on coordonne le concept et le business. Et aujourd'hui on a un mélange de physiciens, de mathématiciens, d'ingénieurs, de designers, de juristes, d'économistes qui ensemble font des projets. C'est une structure extrêmement plate. Il n'y a pas de véritable hiérarchie. Et ce qu'on doit faire, c'est faire collaborer tous ces gens dans l'objectif des projets. Donc si on a développé ce qu'on a appelé plus tard le kolkhoz capitaliste, c'est pour trouver une solution pour favoriser la créativité. Les créatifs sont hypersensibles à l'injustice, sont hypersensibles au sentiment d'avoir été maltraités. Donc il faut trouver une façon d'échange, de transparence qui permet à chacun de trouver sa voie, d'avoir le sentiment d'avoir été traité correctement. Donc on a fait des choix de transparence, transparence des salaires, transparence des décisions, communauté des décisions, de façon à permettre à chacun de pouvoir ouvrir ses ailes et trouver son chemin dans la société. Au niveau du profil type, peut-être de la manière de fonctionner d'un personnage, je crois que une personne qui a envie de travailler chez Créaholic a besoin d'avoir une attitude beaucoup plus de généraliste.
Si je prends la lettre T, il a besoin d'une barre horizontale beaucoup plus large, tout en étant conscient que chaque collaborateur de Créaolic a une spécificité. On a des ingénieurs du bois, on a des électroniciens, des gens qui sont dans l'IP, dans l'économie, dans le design, dans l'architecture d'intérieur. Donc chacun est conscient que dans un domaine, il a peut-être une longueur d'avance, mais beaucoup plus important pour lui est la largesse et la liberté ou le grand horizon qu'il a. Quand je disais avant, je parlais aussi de variété. Je crois que la chance que l'on a chez Créaolic, c'est comme on travaille de manière quasi, je dirais, moralement exclusive pour un client dans un domaine d'activité. Si on travaille pour un Tetra Pak, on ne va pas travailler pour un International Paper. Ce qui nous oblige, comme des tziganes, à être continuellement sur la route et chercher des nouveaux champs d'activité. Donc cette largesse nous permet d'avoir un insight dans des domaines très très différents. Par contre, nos clients, eux, sont les spécialistes. Eux, je pense que si vous prenez des sociétés même internationales ou des PME, souvent c'est le patron, c'est la direction, tout le groupe de développement, ils sont spécialisés dans leur domaine. Et cette combinaison de la profondeur, je dirais du T avec la barre verticale très très profonde et notre T avec la barre horizontale très très large, fait, je pense, que l'on augmente les chances ou les probabilités de cross-fertiliser du savoir-faire avec un horizon très très large. Et si vous voulez avoir du succès dans le domaine de l'innovation, dans le cadre d'un projet, en travaillant avec un client, je crois qu'il y a cette notion de partenaire qui est importante. Notre client, c'est à la fois notre partenaire, c'est plus qu'un client. Et on demande aussi de la part de notre client de mettre à disposition des gens qui sont conscients d'être de grands spécialistes, mais qui sont souples et qui sont capables de travailler avec des gens qui ne le sont pas. Elmar Mok, si on avance un peu plus dans la compréhension de l'organisation de l'entreprise Créaolic, il est frappant de constater que l'espace de travail est ouvert, chacun dans son domaine de compétences ayant son propre espace, mais il y a aussi des espaces de collaboration où l'ensemble des compétences se retrouvent pour échanger. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la manière dont Créaolic a conçu l'organisation de l'échange, l'organisation physique de la collaboration entre les concepteurs, entre les innovateurs? Je viendrai sur déjà notre français qui est si riche, apprendre, comprendre. C'est-à-dire le fait de prendre. Donc la main est n'est pas la prolongation du cerveau, c'est le cerveau qui est la prolongation de la main. Donc c'est fondamental de pouvoir toucher, faire, transformer. Donc une des clés du succès, c'est d'être capable de faire, de penser, de recomprendre, de remodifier. Donc ça doit se faire dans un cycle très rapide. Donc c'est la raison pour laquelle on a séparé grosso modo trois grandes zones. Mmh. On a les zones de travail, qui sont toujours des cellules groupant plusieurs personnes qui ne sont pas du même domaine. On n'a pas de département, on a des projets. À partir de là, on a des zones d'échange, des zones dans lesquelles on va travailler, concevoir, et dans le concept, c'est plus des zones de discussion qui vont du bar à café, dans des différentes salles de réunion qu'on a, pour permettre la rencontre, pour permettre l'échange. Et ensuite, on a des zones de travail qui sont des zones d'exploration, des zones de laboratoire, où on va essayer, tenter, voir si ça marche, ça marche pas, que ce soit au travers d'imprimantes 3D, d'équipements mécaniques, de menuiserie. Et on n'a pas de département spécialisé dans ces domaines-là non plus. C'est les ingénieurs et les créatifs eux-mêmes qui vont réaliser pour voir ce qui ne joue pas ou ce qui joue bien. Et dans le fond, c'est cet apprentissage rapide qui va dans le faire, dans l'essayer, dans le prototypage, pour imaginer la chose encore différemment. Et tout l'espace est conçu autour de ce concept, permettre le mouvement, permettre l'échange, permettent la rapidité, d'être extrêmement à l'agilité intellectuelle, mais également l'agilité manuelle. Alors, Elmar Mok, au milieu de l'entreprise, il y a une étrange série d'étagères avec des boîtes à chaussures. Et en fait, cela relève d'un outil de gestion des connaissances. Il y a là la mémoire de nombreux anciens projets, d'innovations en cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que c'est simplement un système
d'archivage du passé de l'entreprise, ou est-ce que c'est aussi un système de gestion des connaissances au quotidien pour les collaborateurs de l'entreprise? Alors c'est essentiellement un système de gestion des connaissances, dans le sens où la cross-fertilisation est la clé. On a plus de 700 projets qu'on a développés en 30 ans. Ces 700 projets, on a des prototypes, on a des matériaux, on a des documentations, et on les met à disposition de chaque nouvel employé. Une autre gestion des connaissances, c'est d'essayer de conserver ses collaborateurs le plus longtemps possible, motivés dans l'état d'esprit de créativité. En 30 ans, on a moins de 10 de nos partenaires qui nous ont quittés. Donc la plupart sont encore là. Ils font partie aussi de la gestion des connaissances. C'est comment gérer à la fois l'humain et gérer le matériau. Et ce n'est pas dans des systèmes de structuration systématique qu'on l'a fait, mais on l'a fait par des gestions par projet, par type d'objet. Et ensemble, on essaye d'échanger sur le contenu de ces boîtes, ce qui permet aux nouveaux d'avoir accès à ces expériences que les anciens ont vécues. Parce que finalement, l'intérêt de l'histoire, ce n'est pas de connaître son passé, c'est comment mieux faire demain, mais comment mieux faire si on ne se souvient plus de ce qu'on a fait. Alors, en conclusion, nous pouvons retenir deux idées. D'abord, dans tout processus d'innovation, la clé est toujours humaine. Il faudra que des individus coopèrent, travaillent ensemble. Et l'organisation n'est qu'un facilitateur de l'activité d'innovation. Deuxièmement, il ne s'agit pas d'opposer les formes d'organisation de l'innovation en fonction de la taille des entreprises. Il ne s'agit pas d'opposer la petite entreprise ou la start-up au grand groupe, au prétexte que la première serait réalisée des innovations radicales, tandis que la seconde serait confinée aux innovations incrémentales. En pratique, on peut tout à fait retrouver des formes entrepreneuriales ou gazeuses, pour reprendre un terme introduit dans cette capsule, à l'intérieur des grandes entreprises. On parle alors d'intrapreneuriat.